Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'utiliser le chalumeau de réparation pour réparer un véhicule. Alors tout d'abord, il faudra trouver un chalumeau de réparation. Donc tout à l'heure, j'en ai vu un qui était directement... Attendez, je vais diminuer le son du jeu. Hop. Donc j'en ai vu un qui était posé au sol comme ça sur la map de Fortnite. Donc je pense que vous allez pouvoir en trouver posé au sol. Je ne sais pas si c'est possible d'en trouver dans des coffres. Donc là j'en ai pas encore sur moi, mais dès que je vais en obtenir un, bah, je vais vous dire où je l'ai trouvé. Donc c'est possible qu'ils apparaissent dans des coffres ou dans des largages de ravitaillement. Mais j'en ai jamais trouvé dans des coffres ni dans des largages, donc je ne peux pas vous l'assurer. Donc si jamais vous en trouvez un dans un coffre ou quoi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça, ben, ça informera la communauté. Donc là, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais chercher après un chalumeau. Et ensuite, je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi. Ah oui, et petite information, moi, je me suis dit que dans les pompes à essence, il y avait de grandes chances d'en trouver. Parce que, ben voilà, des chalumeaux, je me dis, dans le garage, il y a moyen d'en trouver facilement. Mais j'ai fait une première pompe à essence, là, juste derrière moi, et il n'y en avait pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une autre pompe à essence, voire même où j'ai trouvé le premier chalumeau, c'était... dans un aéronef, donc juste au-dessus de moi, regardez, il y a un dirigeable. Mais dans ce dirigeable-là, j'ai trouvé mon premier chalumeau. Mais c'était dans une autre partie. Donc peut-être que je vais en retrouver un. Donc je vais chercher après un autre chalumeau. Peut-être que je vais en trouver un. Bon, j'en ai pas trouvé sur l'aéronef. On va aller voir ici en bas. Peut-être qu'il y en aura. Donc là, il y a des lingots. Ah, regardez, c'est bon, j'en ai trouvé un. Voilà, ça ressemble à ça, les chalumeaux de réparation. Donc ce que vous devez faire, c'est en trouver un. Quand vous en avez un, ce que vous allez devoir faire, c'est réparer un véhicule. Donc là, voilà, et là il y a un char, mais bon, ça c'est un adversaire. Il va me niquer si je vais trop près de lui. Je vais essayer de réparer ce véhicule pour voir si ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Utilisez le chalumeau de réparation pour réparer un véhicule. Et vous allez devoir réparer 200 de dégâts. Voilà, il faudra le réparer sur 200 de dégâts un véhicule pour terminer le défi. Et dès que vous aurez fait ça, ben vous débloquerez les récompenses. Alors, petite information supplémentaire avec ces chalumeaux, c'est que vous avez un nombre maximum d'utilisation. Donc, regardez, là, je suis à 125, 120, 110. Donc, voilà, plus je l'utilise, plus il s'use. À un moment donné, quand il sera vide, pour le réparer, pour le recharger, vous allez près d'une pompe et regardez, recharger le chalumeau de réparation. Vous maintenez carré et ça recharge le chalumeau de réparation. Donc voilà comment vous allez pouvoir recharger vos chalumeaux. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.